Bug Nunu. En vrai, je sais pas. Peut-être qu'il est chaud, hein. Il est quand même mignon, quoi. Ça me donne envie de jouer Poison Proxy sur cette map. Ça me donne envie de jouer Arbre Feuillu et Poison Proxy, cette map. Et leur compo de mort aussi, hein. Non, j'ai l'œil quand même, hein. Je reconnais quand les mecs sont pas. En vrai, ça va, ces raids sont pas mal, hein. Bon. Oh non, c'est un. Mais c'est un Steam Dopu ou quoi? C'est quoi cette merde? Ça va être compliqué ce match, hein. Je vais pas te mentir, vu la gueule de. Vu la gueule de notre Enutrof en plus. En vrai, franchement, il a des bonnes raisons, hein. Il a des bonnes raisons en vrai. Mais je le sens mal. 111 d'esquive, donc lui il doit être sur le live. En vrai, on s'en fout, je joue mode haut de toute façon. Ouais, Steamer un peu bizarre avec 180 crit. Prends le debuff, j'ai du debuff. Bah, je sais pas, je comprends pas pourquoi il a du tacle avec son mode Dopu, c'est bizarre. Il est chelou le Steamer Dopu. Mais des fois faut que je joue inoculation aussi, hein. Avec le mode R, des fois faudrait le mode O, je voudrais que je joue avec d'autres trucs. Donna, j'utilise pas souvent en plus. Parce que là, une petite inoculation dans le bordel là, pour lolo. Non mais c'est Rescrit, c'est facile, hein. C'est la panneau, comment je sais plus comment elle s'appelle, la panneau des pyramides là, avec un machin sans écrit. Mais je, pourquoi il joue Dopu, c'est chelou. Puis pourquoi elle a du tacle, je sais pas, il doit pas jouer en Dark Shadow, il doit jouer en la vache. Jure, j'ai mis moins 3. Chah. Chah. Comme on dit par chez moi. Leur compo est complètement auto-win. Sur ce genre de map, encore plus. Osazobal Steamer, ils sont au petit. On a un mec pas au petit. Je dis pas, si on avait un vrai Nutrof, j'aurais dit ok, on peut peut-être gagner. Là, j'y crois pas trop. Mais c'est pas fini, on verra. Alors, il nous fait quoi de beau, le superbe Nutrof? Bon là, a priori, à part s'il va chercher le debuff sur le Steamer, il a rien à debuff, hein, donc. Donc là, il peut debuff le Zobal, on s'en fout, il a pas l'infecté. Ok. Est-ce qu'il tape fort? Ah, pour l'instant, non. C'est pas fini. Mais il a pas de portée ou quoi? Ah, il s'est pris une brincadaria, c'est pour ça. Ah, le fameux Malus PO. Il est trop mignon. Le coffre animé va taper fort en vrai. Ça existe plus les sorts de classe. Le coffre animé va taper fort en vrai de vrai. Puisqu'il est low HP. Ça va mettre du moins 400. Ok. Donc lui, il va évoluer sa merde en bas. C'est cool, il a pas beaucoup de PM. Il s'est pris un petit moins 3. Donc il a 3 PM. Putain, les gens qui jouent transition. Aïe aïe aïe. Écume. Bon, après ça va. Bah, GG, t'es chaud. J'ai rien à dire, t'es chaud. Il voulait me tacler avec le chalutier, mais t'es chaud. Parfait. Ok. On va infecter tout ce merdier. Putain, le crapaud il a esquivé. J'ai la. Et non, après il a pas mal d'esquive, c'est normal. Hop, faut que je fasse comme ça plutôt. Nickel. Bon, mon jeu est placé. Mais c'est la merde quand même. Hein. C'est la merde quand même. Les Nutrophes a le pire stuff. Je m'y attendais un peu. Alors, est-ce qu'il va taper les Nutrophes? Est-ce qu'il va taper quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va tuer les Invoques? Pour l'instant, il tape les nus. Je compte sur l'Ossa, peut-être. Ouais, je me suis gouré dans l'ordre, c'est pas grave. Hein. Franchement, c'est pas grave. Je pense que l'arbre, il sera limite mort d'ici. Hein. Je fais plus trop attention hein, en milieu de combat. Franchement, l'ordre, il change plus grand-chose. Je sais même plus dans quel ordre j'ai mis. J'ai mis d'abord le train, c'est ça? Ouais, c'est pas grave. Alors, il met les bennes sur le Zobal. Putain, si l'Unitrophare arrive à tenir un peu, en fait, il faudrait qu'il lâche une corrupte au bon moment, ou je sais pas, moi, il a toujours pas mis de sac animé. Un petit sac, ça peut être pas mal.
Là, ce qui est relou, c'est que le crapaud, il va rejouer, il va taper la folle et tout en zone, là. Donc ça, c'est bien, ça va lui mettre pas mal de dégâts. C'est dommage qu'il fasse pas de fossile. Ah mais non, mais je suis pas en mode feu, c'est vrai. Ça, c'est bien. Il aurait peut-être dû laisser le châtain pour shield la folle. Bon, en vrai, la folle, elle a infecté que le crapaud, donc c'est pas grave si elle meurt. De toute façon, je pense qu'elle va mourir. Hein. Ok, ça fait mal. Si on arrive à gagner ça, ils sont vraiment pas doués en face. Hein. Mais notre Ossa, il fait le taf. Hein. Bon, ça fait déjà 3 fois qu'on joue avec lui. Franchement, il fait le taf à chaque fois. Et là, mon jeu est enfin posé. Je vais lui dire de pas debuff. Parce que je sens qu'il va encore debuff mes infectés, ça va me casser les couilles. Parce que là, c'est bon, j'ai tout infecté. Fais pas chier, là, lâche pas de debuff. Ce serait bien que je sois focus, là. Comme ça, je me reconce, en fait. Ils ont pas d'héros. Ils me focus. Tous les tours, je me reconce avec Fléau. Mais bon, à mon avis, ils vont pas me focus. Ils vont rester sur les Nutrophes. Enfin, surtout l'Ossa, je pense. Amu, Paul Watno, Scram Crab, Balenobot, Dofus Calyptus. Après, c'est bug nunu, quoi. C'est bug nunu. Mais tu sais qu'il a des bonnes raids, hein. Après, il tape que dalle, j'ai l'impression. Enfin, ouais, de ce que j'ai vu, il tapait pas fort, hein. Bon, c'est Lunetrof qui prend le focus. Au moins, je serai full vie. Sac-toi ou musette-toi. Ah, bah, du coup, ma folle est pas morte, par contre, pour l'instant. Pourquoi il a 15 PA à moi? Bah, parce que j'ai le relais. Et un proc-ocre. Proc-ocre. Mais bon, là, il va partir, mon proc-ocre. Bon, Lunetrof est dans le mal. Bah, en soi, je sais pas, moi, il peut pas taper sa bêche. Putain, c'est dommage qu'elle est pas vers lui, la bêche. Il aurait pu mettre une pelle en l'air dessus, ça l'aurait soigné. En fait, Lunutrophe, ce qui serait bien, c'est qu'il fasse juste de la survie. Genre, il survit. Il tape personne, on s'en fout. Juste survie, quoi. Parce que là, il est quasi mort, en fait. Il a des ébènes et tout. Pff. Il s'est fait. De toute façon, les Ossa, oh, enfin, Ossa, c'est fumé dans tous les cas. Là, les deux Ossa sont en train de carry la game. L'Ossa vient de faire un tour à moins 3000, limite. Ça n'a pas de sens. Sur 40% de raid en plus. Hein. Genre, ouais, voilà, ça n'a pas de sens, quoi. Il a pas le sac animé ou il l'a déjà mis, peut-être, je sais plus. Mais non, il l'avait pas mis. Hein. Problème, c'est que. Ouais, limite, il peut full taper. Bon, après, il tape pas fort, c'est un peu le souci. Le problème, c'est que même s'il sac, ah, la musette tout seul. J'avais oublié de parler de ce classique, mais c'est un classique chez les Zenutrophes. Musette tout seul. Bon, après, en vrai, c'est un steamer d'opou de toute façon, donc bon. Mais musette tout seul, c'est machallah. Machallah. Ça, c'est un respect. Alors qu'il y avait des zones au début, quoi. C'est pour le soin qu'il l'a fait. Mais je comprends pas pourquoi il a pas musette et tapé dessus, à la limite. Quitte à musette tout seul, tu mets une musette, tu tapes dessus, ça te fait du soin deux fois, tu vois. Parce que là, au lieu de faire boîte de Pandore qui lui soigne 300, il fait opportunité, ça tape 300. C'est la même chose. Sauf que ça le booste en même temps. Là, faut qu'il tape avec ce truc, hein. Voilà, c'est bien. Alors, il y a combien de PM lui? Il en a que 3, je crois. Ouais, il doit avoir 3 PM normalement. Même peut-être 2. Alors, gardienne, mais il va encore. Ah putain, la gonflable va crever. Bon, c'est pas grave. Ça fait un peu chier, mais plus de gonflable, hein. Parce qu'il va longue vue dessus. Au moins, le Neutrophe prend pas de dégâts ce tour. Prends pas de dégâts, le petit ténu. Est-ce que je peux tuer le Zozo? En vrai, j'ai 15 PA. Non, j'ai pas 15 PA, j'ai 14 PA normalement. 14 PA. Je ne sais pas. Oh non, le coffre, il va crever. Non, pas le coffre. Le frérot. Ah non, pas le coffre. Bon. Si tu joues Sagittaire, tu tues. Eh, rends pas fou, toi. Ah, pourquoi j'ai encore 15 PA? J'étais bizarre. Malé Vaudou. Double larme, double fléau. Ouh, la pente, il y a la sauvegarde qui me fait laguer sa mère. Ah putain, mais il va y avoir le truc que je peux pas proc les fléaux en boucle, là, je sais pas quoi, non? Ah oui, le Lossa, il prend plus les fléaux. Parce que je sais plus c'est quoi l'explication là, le chat m'avait dit l'autre fois, mais bon c'est pas grave en vrai, là je suis pas en train de le focus. Putain, le Zobal est quasi mort quoi. Il a quoi? Il a un ébène, c'est tout. Aïe aïe aïe, 350. Attends, la folle a pas retiré de PA là, elle fait grève. Hein? Attends. Quelqu'un sait pourquoi la folle a pas ce tour là? Je comprends pas trop. Elle avait des PA pourtant, elle a pas. J'en sais rien. Je sais pas. Elle a pas de PO. Et pourquoi elle avait pas de PO? Ah, elle a pris une Brancadaria? Ah, ok, elle a pris Brancadaria. Ok, ça va, alors c'est logique. Tant que j'ai une explication, ça me va. Ok, bon, Lossa, il va faire quoi de beau là? Putain, si Lunetrophe arrive à rejoindre un tour, c'est magnifique. Faudrait qu'ils mettent le châtain vers les nus, ça pourrait peut-être aider. Parce que franchement, ils sont pas bien. Hein. Bon, Zoval est dans la merde, mais il a le masque. L'Ossa est pas si bien.
Oui, je sais qu'on peut pas prendre 3 et machin via t'infecter, mais ça fait chier en vrai. L'Ossa aurait été dans la merde. L'Ossa, s'il avait pris mes fléaux en plus, là, il aurait pas été bien. Comment ça fait que je suis pas full vie, moi d'ailleurs? Ah, parce que j'ai mis que 2 fléaux, ça m'a même pas remis full. J'aurais dû mettre les fléaux en début de tour et les larmes après. Stylé le retrait PA d'Albinos qui proc la vaudou. En Sagittaire, je vois pas comment je tue, apparemment. Ah, c'est pareil en fait. Sagittaire ou Sadio, je vois pas comment je tuais. Bah là, c'est juste que Saïda, c'est pas une classe qui fait masse dégâts. Sagittaire, je tuais si j'avais 5 arbres, mais j'avais pas 5 arbres au tour 4, c'est pas possible. Même pas tour 1 et tour 4, j'avais pas 5 arbres. Alors, est-ce qu'il va faire le kill, l'os, hein? Parce qu'il a quand même assez ben. Oh yes, il a pas one-shot la musette, c'est cool. Comme ça, il est obligé de reclaquer des PA dessus. Apparemment, il s'est transformé, ça c'est relou. Ouais, bon, il est mort. Il est mort. Putain, ça fait chier parce qu'il rejoue pas en fait. S'il rejouait juste un petit tour là, il aurait pu faire un petit truc utile. Moi, je sais pas, il aurait tapé un peu. Là, ça va être 2v3. 2v3, c'est pas ingérable. Imagine, il a... Oh putain, magnifique fleur argentée. Dofus argenté. Dofus argenté de bug nunu. C'est le king, c'est le roi. Je vais l'enlever de ma liste d'ennemis. Mais j'y pensais en plus. Je me suis dit, c'est un clochard, il a peut-être le Dofus argenté, tu vois. J'y ai pensé. Mais non. La prophétie se réalise, les amis. C'est magnifique. Bug nunu, la légende en fait. Dofus argenté pas scintillant, Dofus argenté tout simple hein. Bug nunu la légende qui fait une zone d'opou, mais c'est pas grave. Je sais pas, j'y ai pensé dans ma tête. Je me suis dit, un mec comme ça, il a peut-être, tu vois, Dofus Kawot, argenté, Calyptus. Il y a moyen, tu vois, peut-être il casse les couilles le steamer par contre. Bon après je me fais focus, sauf si, ah putain il va m'enculer là non. Bon tant que je meurs pas, je me reconce donc ça va. Oi oi oi, j'espère que je meurs pas. Aïe. Ah putain, avec la longue vue là. Ah, je suis mort, je crois. Ah, le bâtard. Il a bien joué. Oh, la gardienne. Oh, peut-être que je meurs pas. Oh, let's go, je suis pas mort. Oh, j'ai pas d'ébène. Du coup, je peux me reconcer un petit peu. C'est Tandax, hein, putain. Heureusement, je meurs pas. Hein. Il a bien joué, ce bâtard, en vrai. Il a bien joué. Après, sur une map 4 comme ça, c'est facile pour lui. Bon, allez, ghost reconce. Enfin, reconce, c'est pas ouf le soin, mais. C'est mieux que rien. Ouais, il meurt pas le Zobal là. Putain, il fait chier, il meurt même pas. Je crois que j'ai ma harmonie. Hein. Au moins, je prendrais pas de dopou à la con là. Il a bien joué hein, le steamer. Il a bien joué. Ah, il a folle. Putain, il va pas mourir lui. Ah, s'il te plaît, les ébènes. Aïe 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 aïe, 140 HP. C'est relou. Mais après, il a pas le plat. Oh, putain, il est en falanceur, c'est pour ça qu'il crève jamais. Ça va être tendu. C'est pas fini, hein. Franchement, c'est pas fini parce que même l'Ossa est dans la merde, comme vous voyez. L'Ossa dans le mal. Ça serait limite bien que l'Ossa arrive à tuer l'Ossa. Hein. Attends, je vais lui pinguer, il a peut-être pas vu. Si t'arrives à tuer lui, c'est mieux que tuer le Zobal ou tuer le steamer. Je sais pas s'il peut après, c'est peut-être compliqué. Là, il tue la folle, c'est pas grave. Putain, le combat est tendu. Hein. En tout cas, le steamer d'Opou, il a fait un bon tour. Mais j'avais pas trop le choix, je pouvais pas vraiment le contrer son tour. J'aurais fallu que j'harmonie le tour d'avant, mais c'était pas très logique. Là, au moins, je suis invulnérable à ses d'Opou maintenant, mais pas aux autres. Ah, est-ce que l'Ossa peut faire 1400 dégâts sur l'autre? Franchement, s'il joue fossile. Ah, mais non, mais fossile, c'est un, je suis pas en mode feu. Non, faut juste qu'il tape, hein. Putain, il peut pas, je pense. Parce que s'il le tuait, franchement, on était bien. Là, bon, il va tuer le Zobal, ok. Ouais, bon, on va voir, on va voir. Ah, par contre, faut que tu joues, gros. Hein. Allez, allez, faut jouer là. Voilà, hop, c'est bien. Faut peut-être mettre le châtain vers moi, non, je sais pas. Là, il va mettre quoi, fossile? Joue, joue, joue. Il tape le crapaud. Elle aura pas le temps de finir. Il met le bouffe tout, ok, mais du coup, châtain n'est pas vers moi, j'aurais pas de shield. Putain, faut vraiment que je rejoue un tour, sinon c'est mort. Hein. Aïe aïe aïe, bon, au moins il tue ça, c'est bien. Le bouffe tout, faut qu'il aille le tacler. Parce que normalement, l'Ossa peut pas trop me mettre de dégâts là. Et le steamer d'Opou, ça m'étonnerait qu'il me termine, vu que bah, je suis harmonie. Parce qu'en vrai, les seuls d'Opou qu'il peut me faire, c'est genre via quelque chose d'autre, quoi. Bah, typiquement, via le bouffe tout albinos, s'il met sa tactile là, il peut me pousser un peu con, mais ça fera pas 1600 dégâts. Est-ce qu'il est encore infecté l'Ossa? Ça sort d'où son infecté? Ah oui, poison de para, c'est vrai. Putain, on a repris l'avantage, hein, vu que l'Ossa est full vie de notre côté. Ouais, j'ai 10% de réduction avec la fusion de l'Ossa. Non, mais franchement, c'est gérable. Hein. Alors malheureusement, ah, il résu direct, ça va être trop lourd ça. Il résu, ah, surtout que notre Ossa, faut pas qu'il résu. Hein, parce que s'il résu le bug nunu, voilà quoi, hein, bref. Ah, le problème c'est que j'ai plus d'infecté sur l'Ossa, il va partir.
Ah non, tue pas l'arbre. Non, je pense pas qu'il fasse les dégâts. Putain, non, tue pas, tue pas, tue pas. Oh, let's go, il le tue pas. Au moins, je peux mettre une folle dessus, un triangle. Ah, mais à mon avis, le steamer va le tuer, ça fait chier. J'aurais pu mettre une petite folle via l'arbre et tout, mais il va le tuer, quoi. Putain, il est relou, là. J'en avais besoin de cet arbre. Voilà, c'était obligé qu'elle allait tuer, ce gamin. Ah, par contre, là, s'il laisse sa attaque tirelle ici... Ouais, je me disais bien, il va le bouger. Parce que sinon, il tuait le crapaud. Steamer est pas con, le steamer est pas con. Ça va être chaud. C'est pas perdu. Je sais pas s'il peut mettre un plastron ce tour-là, je pense pas. Ah, il joue pas blindage. Ça fait chier, il manque une case pour aller infecter les l'ossa. Ce qui aurait été vraiment le plus important, c'est l'ossa. En plus, là, attends, la gonflable va donner les PM au bouffe-tout. Hein. Elle va pas me donner les PM à moi parce que je suis harmonie. Ou peut-être à l'ossa. C'est pas mal en vrai à l'ossa. Non, c'est cool. Les PM sur l'ossa, c'est utile. Hein. Ça pourrait peut-être lui permettre d'aller faire un. Il a pas le plastron. Ok, il a que scudo. Putain, c'est déjà chiant. Ah oui, la résu, elle est free maintenant. Ça, c'est cheaté d'ailleurs. Limite, la résu maintenant, elle est mieux qu'avant. Hein. Non, je pouvais pas mettre l'arbre plus loin, gros. Sinon, j'aurais pu infecter l'ossa, ça aurait été parfait, mais je pouvais pas. Ouais, j'hésitais à infecter le crapaud, mais je me suis dit, c'est plus important de taper via le mec qui a les PA plutôt que lui qui a été, celui qui a été résolu, il a pas les PA. Peut-être une erreur, je sais pas. En tout cas, il focus l'ossa, ça c'est une bonne idée. Comme ça, si on tue l'ossa, l'autre il meurt avec. Non, mais le steamer il a bien joué en face, hein. Franchement. Pour une fois qu'un steamer d'Opu joue bien. D'habitude, tous les steamers qu'on croit, c'est des débiles qui ont reroll, donc ils sont un peu nuls. Lui, ça va, il a géré. Mais même notre Ossa a géré aussi. Non, le combat, il avait un petit niveau sympa, là. Juste notre Eutroph, c'est un peu dommage qu'il n'était pas opti. Parce que là, clairement, c'est le seul qui savait pas très bien jouer dans ce match. Mais ouais, la map, elle est bien pour le steamer d'Opu, là. Il a bien fait de jouer ce mode-là. Enfin bon, un steamer soutien, ça aurait été très chiant aussi. Hein. Sûrement plus chiant, même. C'est relou son mélanique, il l'a pas décalé, du coup il sert à rien ce tour. Son dragon sert à rien aussi pour l'instant. Et son bouffe-tout châtain peut me donner du shield s'il veut. C'est peut-être pas mal quand même de me donner du shield, je vais pas te mentir, je suis un peu dans la merde. Je sais pas s'il va le faire mais bon. Il peut taper à l'attaque tirelle en vrai. Hein. Ou alors il vire son bouffe-tout pour pas se prendre de dopou. Comme il veut. Là c'est dommage qu'il va limite crever son... Ouais bon, c'est pas grave. Bah l'initiative elle est... Ah si, l'initiative est pas dégueu pour résu. Franchement je sais pas si c'est rentable de résu le Eutroph bizarre là. Hein. C'est un coup, vu qu'il est mort il est parti gros. Là le problème c'est que le Zoba a la relance du plastron je crois ce tour. Le bouffe-tout va venir sur... Le crapaud pardon va venir sur ma gueule. Ah tu vois j'ai bien faim, j'ai bien fait de le pas infecter. De toute façon il était resnade donc j'aurais rien pu faire. J'aurais pu le debuff mais bon. Pas ouf. Ouais faut pas que j'oublie le debuff en vrai il pourrait carry après le plastron. Putain l'initiative elle est pas bonne. Mais il va me défoncer avec le crapaud en plus. C'est vraiment fumé. Hein. Ossa, oh, enfin, tous les ossa, c'est fumé quand même. Hein. Pas te mentir, c'est complètement fumé. Bon, je pense que c'est loose en vrai. Hein. En tout cas, on aura bien joué de notre côté. Hein. Avec l'ossa, en tout cas, on aura géré. Mais à un moment, leur compo est trop forte. Elle est trop forte, quoi. Et surtout notre Eutroph qui était pas ouf. C'est pas fini, on sait jamais, sur un malentendu. Mais là, j'ai même pas assez d'infecté pour me régène, quoi. Je vais essayer d'infecter le zozo. Double fléau. Je pense que ce sera pas suffisant comme soin. Il va longue vue en plus. Ah bah limite ça me fait une entité de plus. Ah mais non du coup faut que j'infecte lui. Ah bah non c'est chiant. Je peux pas infecter le Zobal du coup. Le bouffe-tout mélanique va crever. Oh, au moins la gardienne me soigne. Il faut voir le bon côté des choses. Ok, bon, c'est pas fini, je me suis bien soigné en vrai, je pensais pas que ça allait me soigner autant. Hop, ça soigne les invoques avec, c'est cool.
Bon, ils ont tous 1000 HP en fait. Enfin, 2000 pour le steamer, mais bon. Lui, il a le plastron, non? Ah, mais il peut pas plastron en vrai. En vrai, attends, s'il a pas le plastron, on est pas mal, hein. Il va peut-être torto l'ossa. C'est pas fini, hein. Il tape le châtain, je sais même pas pourquoi en vrai. Je sais pas pourquoi il tape le châtain, là. Pas très bien. Pourquoi il a pas... Mais je crois qu'il avait le plastron, non? Ça doit être prochain tour, du coup, hein. Parce que là, franchement, le ressa, il est dans la merde, hein. Après, le problème, c'est que je sais pas si... Non, je crois qu'il a pas la relance de piqûre. Il aurait pu lâcher une grosse piqûre sur l'ossa, ça aurait peut-être pu faire le kill, mais je pense qu'il peut pas tuer. Après, ils sont pas bien, hein. Les trois sont dans la merde, j'ai les trois infectés. En plus, l'infecté sur le Zobal et l'ossa, il restera forcément. Sur le steamer, pas sûr, par contre. Bon, faut qu'il se décide, hein. Faut pas qu'il bégaye, là. Et ce serait bien qu'il tue l'attaque Cyrel. Ah, là, il aurait peut-être dû faire attention à ça et peut-être essayer de la tuer. C'est super important, mais bon. Il va taper sur l'ossa, faut qu'il joue vite. Et il sait pas, il a mis le châtain sur lui. Un peu tendu ce tour-là de la part de l'ossa, c'est vachement risqué. Là, il me soigne. En fait, c'est dommage qu'il tue pas l'attaque Tyrell. Parce qu'elle est vraiment low HP. Donc, moi, je vais la tuer prochain tour. Mais elle va rejouer un tour, la tactique. Et là, le bouffe de châtain, il va mourir. Il va lui mettre l'état pesanteur. Ça peut servir en vrai. Mais le problème, c'est que le châtain est tellement low HP que c'est pas ultra utile. Bon. Et il y a le putain de crapaud mélanique aussi qui va jouer. Donc, il va se saper super fort ce truc. 400 HP sur l'ossa, hein. 400 HP sur l'ossa, sachant que j'ai juste alarme pour le tuer, quoi. J'ai quasiment toute la map avec. Eh, l'ossa, il porte ses couilles, hein. Mais est-ce que c'est le bon call? En vrai, je pense que oui, parce que je crois que son crapaud va taper sur moi et pas sur l'ossa, non? J'ai l'impression qu'il est plutôt parti sur moi que l'ossa, non? De toute façon, on va vite voir s'il le décale. Je crois qu'il va le décaler, remarque. Il le décale ou il le laisse? Ouais, il le décale, ok. Mais là, j'ai juste à mettre double larme, hein. 1, 2, 3. Bah là, je peux le choper. Donc là, l'ossa va prendre tarif. En fait, je peux limite clutch en 1v3. Enfin, si l'ossa meurt, mais de toute façon, il va pas mourir normalement. Je pense pas que le steamer lui mette 3000 dégâts. Putain, le match est tendu. Lui, il prend des ébènes, je crois, en plus. Non, ah non, il n'y avait pas d'ébène, fait chier. T'es genre Dococo, ce gamin. Bon, là, il tue le châtain. Du coup, il est plus pesanteur. Tu le tues avec l'infecté. Ouais, mais je crois qu'il y a des infectés qui se cassent. Je sais plus sur qui. Alors, gardienne, non. Lui, non. Non, ça va en vrai. Hein. Peut-être le steamer, ça se barre, je sais plus. Non, je crois qu'il l'a aussi infecté. Hein. Non, en vrai, là, je suis bien. J'ai vraiment bien géré l'infecté, là. Ressa qui va longue vue. Oh, l'ossa a ton sueur, mais... Ça devrait aller, hein. Merci pour le soin, frérot. En plus, il tape son zobal. Hey, bye bye! Oh là là, en vrai ce match, c'était bourbier. C'est le mot. C'est moi, il meurt pas l'autre. De toute façon, je peux pas faire grand-chose pour lui. Hein. Autant full taper. Il y a plus attaque Tyrell. Putain, le crit. Putain, il y a un moment, j'étais à 400 HP. J'ai mis deux fléaux, j'étais à 3500. Genre le moment où j'étais vers l'harmonie là. Et l'ossa, c'est le frérot, parentin. Franchement, il gère bien. Il gère bien. C'est pas, il fait pas des trucs incroyables, mais il fait le taf comparé à certains de ça que je vois. Et bon, bug nunu, on passera, hein. C'est pas grave, gros, c'est pas grave, il a musette tout seul, bon, bref. En vrai, argenté quand même, Dofus argenté, machala, et sinon il était mort. Bon, après, le tour qu'il a joué en plus, c'était pas super utile. Il kill jamais, en vrai, il était pas loin de mourir quand même. Hein. Le Steamer d'Opou aussi, il a bien géré, franchement. Steamer d'Opou, il a géré, notre Rosa, il a géré. Bon, moi, j'ai géré avec le l'infecté, normal, hein, je suis un sadiste, c'est pas compliqué. Non, c'était pas mal ce match, pas mal. Et au final, je suis full vie. Y a pas de crit sur Mangrove, c'est ça? C'est rentable en vrai, vu qu'il est avec une panneau récrite là. Putain, je tape pas fort, hein. Il a des bonnes raids après. Même si je tape pas fort, ça suffit pour gagner, tu vois. Avec nos 12 PA. Je contagion en mode haut. Ça rend de quoi? Ah oui, ah oui, t'as raison. Ça va en herbe folle. Non, mais t'as grave raison. Ça, j'ai juste oublié de faire. Mais oui, t'as raison. Bon, on a diamant 3, c'est bien.